Salut à vous les globules, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes bientôt au mois de décembre et qui dit décembre dit Noël, achat de cadeaux de Noël. Je pars donc faire un magasin car il y a un jouet en particulier à trouver pour une de mes nièces. Direction Jouet Club. Les globules, je vous ai dit qu'il fallait que j'aille à Jouet Club et il y a un Jouet Club qui est pas très loin de la maison, c'est le Jouet Club de Confluence. Nous sommes donc ici à Confluence. Voilà, je m'apprête à rentrer dans ce grand magasin. Attention les gars, c'est quand même dommage de se casser la gueule dans les escalators. Ils ont fait un sapin, il est magnifique. Je vais 10 mètres le sapin, jure. Non mais regardez-moi ça comment il est beau. Regardez-moi ça comment il est magnifique avec toutes ces boules de Noël, avec ces petites étoiles qui sont juste là, avec ces petites décorations. Il y a même un petit fauteuil pour attendre le Père Noël ici. Et ça c'est tout juste classe parce que c'est toujours un rêve d'enfant de rencontrer le Père Noël. Je vais l'attendre ici. Bon, sinon, trêve de blabla, il faut absolument que je trouve le magasin Jouet Club qui se trouve en hauteur. Donc, je ne vais pas sauter, bien entendu, jusqu'au troisième étage. On va prendre les escalators qui sont juste ici. Allez, c'est parti. Donc, je suis à Jouet Club pour trouver ce que je cherche. Et j'espère qu'ils vont voir cet article. Des jouets, des jouets, des jouets. Il y en a de partout. Des jouets, des jouets. On dit bonjour à Iron Man. Non, parce que sinon, il va être très énervé. Hein. Ça, c'est le paradis. C'est le paradis. J'aimerais tellement être enfermé dans un magasin de jouets pendant 24 heures. Tester tous les jouets, jouer, 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 faire que ça. Ça serait trop génial. Regardez, vous avez un rayon entier de peluches ici. Petite dédicace à ceux qui sont fans de Winnie l'ourson. Franchement, j'adore les jouets. Je suis trop dans mon élément. C'est un truc de malade. Je kiffe ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Alors, je crois que je suis presque dans le bon rayon. Voilà, mais je suis pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que le jouet que je cherche, c'est de la fabrication de bombes de bain. Et c'est Créa et compagnie qui fait ça, mais je crois que j'étais pas au bon rayon. Regardez tous ces jouets, regardez tous ces jouets, 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 tous ces jouets. Putain, franchement, c'est trop trop bien. Et pourtant, à 24 heures où je suis dans un magasin de jouets, ça serait vraiment trop top. Ça serait vraiment trop la classe, pouvoir jouer à tous ces jouets. Parce que j'ai pas la place chez moi pour mettre tout ça. Franchement, vous voulez que j'y mette tout dans le grenier? J'ai pas de grenier. Ça serait bon compromis. Regardez, on est au rayon des voitures téléguidées. Franchement, c'est pas trop la classe. Et ça, ça ressemble exactement au modèle que j'avais avant. C'était un modèle thermique. C'était une sorte de 4x4 comme ça. Et c'était trop cool. Par contre, l'inconvénient, c'est quand tu fais de la casse. Non, parce que ça, ça revient vite cher. Quand tu pètes une roue, quand tu pètes un amortisseur, je peux te dire que... Il faut sortir un pognon derrière. Regardez, il y a même des petits drones si vous voulez vous y mettre. C'est pas trop cool? Vous avez le petit hélicoptère, le petit drone qui va juste à côté, un autre petit drone. Pour les couleurs, je les trouve pas terribles. Ça y est les globules, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Le fameux atelier création bombe de bain. C'est que j'ai reconnu qui va s'y replaire. Non mais qui a connu des Power Rangers, s'il vous plaît? Qui a connu? Par contre, il y a un truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi le rayon Harry Potter. Non mais franchement, regardez-moi ça. Non seulement il y en a ici, mais il y en a aussi derrière. Regardez-moi ce grand lampadaire avec le balai. Vous avez aussi les petites capes avec donc la tenue d'entraînement de Quidditch. Vous en avez encore ici dans tout ce rayon, le même rayon mais de l'autre côté. Vous avez encore un rayon avec plein de goodies ici et tout ce rayon là. Franchement, Jouet Club, ils ont fait les choses en grand pour le Harry Potter. Allez, c'est parti, on rentre à la maison. Les achats de Noël sont terminés en partie pour aujourd'hui. Donc, bon, je serai trop chaud parce que c'est vrai que ça passe un peu. Bon, retour au bercail. Du coup, petit café, ça fait du bien. Il n'y avait pas grand monde dans les magasins, donc c'était assez jouable, on va dire. Parce que c'est quand même autre chose quand il y a de la foule et que tu te fais limite marcher dessus. Hein. Et puis le mois de décembre approche, donc je pense que demain je vais monter le sapin. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous sortir plusieurs vidéos, je vais essayer de faire plusieurs vlogmas. Par contre, ça sera pas forcément des vlogmas tous les jours. Hein. Ça sera vraiment, si vraiment j'ai du gros contenu à vous proposer sur une journée, ça sera une vidéo sur un jour. Mais par contre, je vais rester sur mes vlogs sur plusieurs jours si jamais j'ai pas un gros contenu à vous proposer. Bisous. Fais des bisous. Fais des bisous. Oh. Voilà les globules, je vous ai quitté en buvant un café. Nous nous retrouvons donc le matin, c'est le 1er décembre. Je vais prendre mon café avec, comme vous pouvez le voir, ce petit lot de magnifiques tasses que j'ai acheté à Disney. Alors c'est des tasses beaucoup plus petites, donc le café va être beaucoup plus serré. Je sens que je vais sauter de partout moi.
Et pour accompagner ce petit déj, des dinosaures. Ce matin, ce que je vais faire, et ça va être un gros chantier, je vais monter le sapin de Noël. Il est au même endroit que les décorations de Noël que vous avez pu voir dans mon précédent vlog. Donc ça va être toute une histoire pour prendre l'escabeau, faire de la grimpette, aller chercher le sapin, aller le poser dans la salle à manger, commencer à pousser tout ce qui a poussé pour pouvoir prendre de la place. Enfin bon, bref, ça va être une vraie partie de plaisir, je le sens. Mais bon, c'est Noël et je kiffe ça. À la vôtre, je vous souhaite un très bon petit déj. J'espère que je vais pas me brûler. Ouais. Il est serré. Vache. On adoucit avec un petit dinosaurus. Ces gâteaux, c'est vraiment la base. Bon, on va attaquer le sapin. C'est parti. Voilà, cette année, comme toutes les années, le sapin va donc naturellement trouver sa place ici, dans cet angle. Il va juste falloir que je me sépare de mon robot aspirateur. Malheureusement, ce robot aspirateur de la marque Nipot, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai dû pousser tout ce petit meuble-là. Sinon, ça touche le sapin et ça fait moche. J'en ai profité aussi pour pousser la table. Comme ça, j'ai tout ce grand espace pour pouvoir monter le sapin. Ça va être bien sympa. Et voici le voilà, complètement éparpillé dans tout mon salon, le fameux sapin de Noël que je vais mettre en place. Cherchez pas, vous voyez l'aspirateur ici, mais c'est pour aspirer au fur et à mesure. Hein. Il me reste plus qu'à monter tout ça, c'est parti. Ça va être showtime quand même. Voilà le globule, ça y est, j'ai commencé donc à monter le bas du sapin. Donc comme vous pouvez voir, ça avance bien, il est bien fourni. C'est un sapin de 2,15 m de la marque Triumph. Attention, il n'y a pas de placement de produit là-dedans, les globules. Il est large quand même, il est bien sympathique, il est bien cool. Il me reste encore tout ça à mettre, comme vous pouvez le voir. Et puis après, je le repousserai contre le mur pour ensuite attaquer justement la décoration. Voilà, ça va être bien sympa. Voilà les globules, ça y est, comme vous pouvez le voir, le montage du sapin est donc terminé. Il touche presque le haut de mon plafond. C'est un sapin de 2,15 m, je le rappelle, pour une hauteur de plafond de 2,50 m. Mon petit escabeau qui est juste ici, petit escabeau qui n'est pas du tout petit, bien entendu, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai pu poser le haut du sapin. Et ça, c'est vraiment trop cool de pouvoir s'aider avec du matériel comme ça, surtout quand on mesure que 1,30 m. Voilà, le sapin donc est là, je vais le pousser contre le mur là-bas et je vais bientôt le décorer, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va se faire, mais peut-être pas pour aujourd'hui parce que là je viens de passer une heure à le monter, il faut que je pense à manger quand même. Mais sinon regardez, on dirait presque un vrai franchement. Et pas trop joli. Alors oui, bien sûr, vous voyez des trous à l'intérieur, mais tous ces trous vont disparaître avec les guirlandes, les boules, etc., etc. Non, ça va être vachement sympa. Voilà les globules, comme vous avez pu le voir donc tout à l'heure, fini le montage du sapin qui se trouve tout derrière moi. Et actuellement, je suis en stream sur Twitch. Nous sommes en train de faire des parties personnalisées sur Fortnite et regardez tout ce beau petit monde. Voilà, vous avez tout le monde qui fait des petits coucous sur YouTube. Ça fait super plaisir en tout cas. Vous passez donc sur le vlog avec ma petite caméra que j'ai reçue à mon anniversaire. Un petit café qui est tout juste ici. Si toi aussi t'as envie de nous rejoindre sur Twitch, n'hésite pas à le faire. Ça serait super cool que tu viennes jouer avec nous. Allez, hop, c'est parti. Yala toi. Comme vous pouvez le voir dans ce carton se trouvent donc les guirlandes que je vais mettre sur le sapin. Et il y a des choses aussi que nous avons trouvées à Maison du Monde. Chaque année on rachète un peu de décoration de Noël, un petit peu de décoration pour le sapin. Et on a fait quand même quelques petites trouvailles qui sont bien sympas. Par exemple ce sac en toile de jute que vous pouvez trouver ici. Regardez comment il est trop beau. Ah forcément il est à l'envers, vous allez rien voir. Mais si je l'étale par terre, voilà. Ne pas ouvrir avant Noël, la fabrique des lutins. C'est un sac qu'on va bourrer de journal, de papier carton pour vraiment donner l'illusion qu'il est rempli en attendant le passage du Père Noël. On va disposer ça au pied du sapin, ça va faire très joli. Par contre, il faut que je trouve du papier, du carton, etc. Et autre petite trouvaille que nous avons fait à Maison du Monde en guise de boule de Noël, vous avez ces petits sucres d'orge, attention, ça casse. On a trouvé aussi cette boule de Noël remplie de polystyrène, Merry Christmas. On a trouvé aussi cette autre boule de Noël avec un flocon de neige dessus, des petits bâtons de sucre d'orge. Et toujours quelque chose que vous pouvez accrocher au sapin, cette petite boîte aux lettres, hop là, qui peut même s'ouvrir, ça c'est super joli. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je vais donc attaquer la décoration du sapin de Noël.
mais cela fera l'objet d'un prochain vlog. En tout cas, merci à vous les globules d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien de la chaîne les globules, n'hésitez pas à regarder les vlogs du début jusqu'à la fin parce que c'est ça l'important soutien pour moi. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my wave. Hop in Uber, baby, and slide my way. I play the catcher, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride.